Ta famille et toi n'êtes que des pantins sans âme, de simples serviteurs qui ne vivent que pour obéir aux ordres. Autrement dit, de vulgaires esclaves. Irène, ça suffit! Arrête! Ce qui est regrettable pour toi parce que tu sais ce que je méprise le plus au monde. Ceux qui acceptent leur servitude, qui se soumettent comme du bétail. Irène! La simple vue de ce genre de personne a toujours suffi à me révulser. Et j'ai enfin compris pourquoi elle me répugnait à ce point. Je ne peux pas supporter ces choses serviles qui exécutent les ordres qu'elles reçoivent sans se poser de questions. Je vais te faire une révélation, Mikasa. Le fait est que, depuis qu'on est gamin, je t'ai toujours haï. Eren ! Ça va pas lui lancer des horreurs pareilles ! Mikasa ! Ton existence se résume à agir selon ce que te dicte ton sang d'Ackerman, comme ta réaction l'a montré. Non, c'est faux. C'est tout ce que tu sais faire. C'est dans ta nature. Monsieur Jaeger ! Tout va bien, messieurs. Dis, Armin. Si je me souviens bien, toi et moi, on s'était encore jamais battus, pas vrai? Tu sais pourquoi c'était pas arrivé avant? Parce que face à moi, arrête, tu fais pas le poids. Stop. Ça suffit. Comme je vous l'ai dit à mon arrivée, tant que vous nous indiquez l'endroit où est retenu Sieg, on n'a aucune raison de s'affronter. Maintenant, suivez-nous sans faire d'histoire. Emmenez-les. À vos ordres. Et embarquez aussi la mioche qui a tué Sacha. Quoi? C'est tout? T'as fait tout ce chemin pour nous dire ça? T'es venu briser Mikasa? C'est à ça que se réduit ta liberté? Juste pour savoir qui de nous a atteint la bassesse de l'esclave? Fais gaffe à qui tu traites d'esclave. Suivez-moi. Où on va? Là où tout a commencé, à Shiganshina.